Shalom bien-aimés, nous vous souhaitons la meilleure condition d'écoute de cette prédication enregistrée à l'église francophone Sebeko Kitambo à Kinshasa, RDC. Que Dieu vous bénisse. Sous
vois pas. Essaye de prendre quand même. Essaye. Tu peux avancer. Avance. Amen. Est-ce que tu gobe de la colère sous ma boko? Zambia Zamalam, Liloba Oyo, Bible, Liloba Oyo, parole de Dieu. Ezali kosala ete na bomoi na moto. Soki ozali kotanga yango, ozali kotia en pratique maloba oyo ezali na kati. Okomona liboko na Nzambe na bomoi na yo. Tokotanga pona ko illustrer yango, nous allons partir d'un texte et lentement toko essayer de voir les attitudes Nini, mo Christo et Sengili Azala na yango, pona atteindre objectif, pona avoir Dieu agir dans sa vie. Nous allons lire dans Jean. Jean, le chapitre 2. Jean, et ça après Luc. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Chapitre 2, le premier verset jusqu'au 12e verset. Est-ce qu'on peut montrer nos Bibles, s'il vous plaît? Les Bibles dures. Est-ce que Zali, ma Bible dure? Si vous êtes en Pambola, vous avez ma Bible dure. Ma Bible est comme une électronique. Vous avez un téléphone. Mais laissez-moi vous dire aussi que dans le téléphone, je peux faire sortir une arme, un pistolet. Mais attends, tiré en haut. Et retiens ma kelele. Mais bon, maté. Vous me comprenez, hein? Le temps est venu où nous devons faire preuve des vrais chrétiens à avoir cette Bible. Parce que rien qu'en ayant cette Bible, et ça, nous tous à mon avis, on a un frère en Christ. Le téléphone, il a déchargé. Mais oui, il a déchargé. Frère Price, est-ce que tu peux nous aider, s'il vous plaît, à lire Jean 2, 1 à 12? Et nous allons prendre nos Bibles, vérifions malembe, minutieusement le texte. Oh, vous allez kotanga. Micro? Ça, micro? Jean chapitre 2, verset 1 à 12. À Cana, Jésus change l'eau en vin. Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, « Les gens n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leur coutume. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez ces récipients avec de l'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. Les serviteurs lui en apportent. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors, le responsable du repas appelle le marié et il lui dit, « Tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Ensuite, il va à Capernaum, avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restent seulement quelques jours. Quelques jours. Nous avons dit que nous allons parler des attitudes d'un chrétien pour voir Dieu agir. Ce texte, généralement, ce texte nous parle d'un
J'aimerais parler plus de noces. Noces, ezali, période moko donnée à fête. Na zongi na contexte, il y a texte oyo. Le fête se faisait avant le mariage, par exemple, samedi. Deux, trois jours avant, il y avait déjà des cérémonies. Jour, il y a mariage, on est au salma, bah, échange de vœux, cérémonie ezali. Et puis les autres jours après, fête y encore. Donc, une fête peut aller de lundi à lundi, c'est-à-dire une semaine. Est-ce qu'on se comprend? Alors, on est dans cette situation. Et la Bible nous dit que Marie était là. Marie était là. Oh Seigneur, merci parce que tu parles aujourd'hui à quelqu'un. Marie était là. Marie, je nous rappelle, c'est cette femme qui a vu et parlé avec un ange. L'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel se tient dans la présence de Dieu. Marie a reçu la promesse que Marie, tu auras un enfant. Et c'est lui qui sera le sauveur. Jésus-Christ. Mais Marie, malgré ses titres, malgré cette faveur, Yakukutana, na angelou, Marie assistait les autres. Un chrétien doit savoir assister les autres. Un chrétien ne doit pas rester cloisonné. Au vandi na coin na yomoko. Tout ce qui se passe chez les voisins, et qui pakaote, les Anglais disent I don't care. Matang ezali, tu n'es pas là. Fête ezali, tu n'es pas là. Batu bazana bopito, tu n'y vas jamais. La Bible nous dit que à un moment, l'Éternel dira Bino bozana droite nangai. Bon, nazala ki nanzala, osala ki nini, opesa ki ngai ya kolia. Nazanga ki bilamba, osala ki nini, olakisa ki ngai. Mais les gens demandaient, Seigneur, quand est-ce que to sala ki makambwana? Nzamba lobi, ngonga nyonso oyo bosala ki yango na mutu moko ya mukie, ya ngai na mukili, ezala ki nini ngai bwande ko sala. Les amis, un chrétien, nous les chrétiens, nous devons assister les autres. À l'église, on n'est pas là de voir les gens au moni moutoyé, peut-être nelamba malamouté. Au lieu de l'assister, toi qui as des garde-robe, tu vas voir une soeur ou un frère pour critiquer, pour dire regarde, elle a dit bien tel élo. Ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. Tu n'auras pas les bénédictions, tu ne vas pas atteindre les bénédictions de l'Éternel. Tu vis chez toi, tu es dans la famille. Quelle est ta façon de vivre? Attitude na yo ya mondimie sa nengenini. Papa Bayer, fais-tu souffrir tes locataires? Tu fermes la toilette quand tu veux? Tu comptes les heures? Au travail, quelle est ton attitude les autres? Milieu social na biso. Est-ce que Ozope Sakombo aye sous le koum? Toi tu es parmi ces gens? Lorsque ma monde va dire aux chrétiens, mais les gens, c'est comme, oh, pff, ma chrétien, elle est l'eau, n'importe quoi. Laisse-moi te dire que c'est lorsque tu assistes les autres, lorsque tu es dans le milieu, il y a battu à gauche, à droite, les gens peuvent faire quelque chose, oh, yoba salaki, na noce de Cana. Les gens peuvent inviter Jésus. Marie n'était pas partie au même moment avec Jésus. Marie était partie avant, parce qu'on nous dit que Marie était là. Et Jésus était invité. Laisse-moi te rappeler que l'histoire qui vient avant, Jésus était au fait en train de recruter encore ses disciples. Et jusqu'alors, il n'avait que 5 disciples. André, Simon et un autre disciple de Jean qu'on n'a pas cité son nom. Philippe et Nathanaël. Et Nathan Gohana, lorsque la maman est là et vous invitez le fils, ses amis doivent aussi venir. Jésus était parti avec ses disciples. Ils ont invité Jésus. Attitude d'un chrétien, inviter Jésus tout le jour dans sa vie. Certes, nous l'avons reçu et invité. Mokolo oyo, toyambaki lokola mokondi pe mobiki sinabiso.
Mais est-ce que quand il y a des problèmes dans notre vie, quand il n'y a pas de problème dans notre vie, quand on projette quelque chose pour faire un avenir, est-ce que doit associer à Yesu? Bon, Yesu, projet ça c'est quoi, ok? To lingi to summa mabele na passa. Alors Yesu ko moniza nengeni. Dieu parle. S'il nous a doté de cette bouche, c'est que Dieu a une bouche. Ces gens, laisse-moi te dire que quand ils ont invité Jésus, n'invite pas Jésus quand tu es malade, alité sur un lit. Ne vous bêlez pas, Jésus, na celle qui est en francophone. Jésus, tu as la bilamba, na personne qui va au félin, qui n'a qui gémena. Non! Même quand tout va bien, tu dois inviter Jésus. Parce que c'est cette parole qui constitue notre lampe, qui va nous éclairer. Les disciples dans la barque, bah pêcheurs, hein, bah expérimenter la pêche. Bah côté, mais mongé ma casse. Ça fait peur. Une fois, de naviguer qui vers mangrove, dans moi, dans un canot rapide, et moule et bandaki. Mais je vous dis, je me dis, Seigneur, déjà, maillot, dans mon bandé, il peut soukater. Donc, on a la boue, mais ceux qui ont dindé, dans mon rondé, il banga dans le côté, c'est que moule est menacé. Mais Jésus était là. Ils étaient avec Jésus. Mais parce que ça n'a pas fort, on a bango, non, tout ça, on a péché, tu es petit boy, tu es au salabo, tu es au kende boy, tu es au kende pour salabo. Jusqu'à ce que bateau, il n'est chaviré. Mais Yesu, il y a vraiment, oh là là, tu as un peu de Yesu, tu as un peu de mouka. Non, ne faites pas ça. Appelez Jésus quand il n'y a rien, quand tu n'as pas de problème, quand tu veux faire quelque chose, appelle Jésus. Invite Jésus dans ta vie. Toi qui ne l'as pas encore reçu dans ta vie, c'est le moment de le faire. Les jours passent vite. Et quand tu invites, Jésus dit qu'il est devant la porte dans l'Apocalypse. Il frappe. Nous tenions soit qu'au fond, en salanini. Après que Jésus soit invité, Tomoni Sikoyo, problème est commis. Mais le problème est commis, c'est allé crucial. Parce que, naba loi, il y a un Rwana, il y a un juif, ce qui vous en a fait, et que fait et sili, et allé kokende à l'encontre, il y a une règle, il y a hospitalité. Ça veut dire que mariage nabino, et ça là qui m'a bé que vous sépé ici batouté. Alors j'aime l'intervention de Marie. Regardez, généralement quand tu c'est toi le mari, moindre mouvement, ça n'a pas rien à faire. Toi et la personne vous a pémbéni, vous vérifiez. Ah, on donne ça qui m'a bé, protocole, on est fallu à ça là-bas. Vous êtes là pour voir. En temps normal, les maris devaient savoir que ma serait comme aussi là. J'ai bien dit que ça fait une semaine que ça la fête. Si pas l'époux, ça devait être l'organisateur de la cérémonie, maître de la cérémonie. Mais non, ce n'était pas Abango. C'était Marie. C'était Marie, excusez-moi, qui a vu que ma sanga est zangaki. Attitude d'un chrétien. Observation, intercession. Observation, intercession. Est-ce que nous observons suffisamment ce qui se passe autour de nous? Vous avez l'information? Balobi était, Mukilonga komiké ba keba, tozo ebate, dialogue ou pas dialogue, tozo mona ba caméra partout. Tozo ebate, qu'est-ce que tu fais? Tozo mona ba tenta à gauche à droite. Comment est-ce que l'issoumou est commis facile en mot canapé quand tu allumes ta télé? Des danses alors obscènes chaque jour. Ozomona,
ndenge ce yo yene awa sikone tonga mais batu mingi bazana banganda bakomcha na 15 bouteilles osomo na bango. Mais qu'est-ce que tu fais un chrétien? Tu restes indifférent? Non. Soyons comme Marie. On observe. On ne s'arrête pas là. On intercède. Amen. Et l'intercédé dans Nengenil. A même problème naïe et païa ya Yesu. Je vous rappelle que ici, on parle, on dit que Joseph était déjà mort. Parce qu'on n'a pas parlé de Joseph. Alors, Marie, étant mère, se fiait à son fils Jésus le premier pour certaines décisions. Et tout le monde a en haut. Tu ne peux pas passer sous maman, tu es veuve, pour la décision, moi, je suis en haut. Tant que tu es là, tu es au lobby. Exactement comme elle a fait. Elle a vu qu'il y avait un problème et elle est partie dire à Jésus. Non, c'est exercice monko. Est-ce que okoy komita la yo monko? Mitala. Est-ce que on peut se regarder nous-mêmes? Tomitala. Est-ce qu'on peut faire l'exercice? Tomitala. Pardon, hein, pasteur, Tomitala. Tomitala. Maman, est-ce que komita la yo monko? Tomitali. Bon, sikoyo tala n'importe. Tala muto za pembe na yo na gauche na yo ou bien za libanda bano baolika. Tala bango. Totala. Si on peut regarder, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a une chose. Ceux qui bossent l'exercice sont le bon moment. Maman Gisèle, vous pouvez venir s'il vous plaît? Nana lingabe exemple ming. Maman Gisèle, pardon. Hein? Est-ce que vous avez mitala? Mitala. Mitala bien, maman Gisèle. Ok, merci. Sikoyo, tala sikoyo pasteur normand. Ok? Tala sikoyo place Régie Zali. Ok? Alors maintenant, maman, merci, c'est gentil. Monsieur papa, merci, c'est gentil. Et là, on est constaté, namou tout, il y a maman Gisèle. Qu'est-ce, maman Justine, qu'est-ce que vous avez vu, namou tout, il y a maman Gisèle? Tant ou azomitala, moutou de zela gindenin. Tant ou atali moning, moutou de komindenin. Amen. Lorsque tu commences à regarder les autres, ta tête s'élève. Tu es comme cet aigle-là. Lorsqu'il vole, il est au-dessus de tous les oiseaux. Mais quand tu ne regardes que tes problèmes, tu as la tête en bas. Tu risques de trébucher. Oh, bah, t'es dans la cime. Oh, que n'est-ce pas, moulou, moulou, oh, bah, t'es. Mais ton tombe, mais sur moi, like a nigger. Lorsqu'on regarde les autres, lorsqu'on intercède pour les autres, au tir. Le là au bon de la peau là-bas en angaité, na au bon de la peau na blura au liaté, na au bon de la peau na moussa en angaité. J'ai suffisamment prié pour ça, Seigneur. Maintenant, je prie pour mon voisin, je prie pour les autres, je prie pour l'Église, je prie pour la nation, je prie pour le monde. Dieu t'élève à d'autres dimensions. Il est temps que l'Église apprenne cela. Les amis, nous sommes en retard. Dans la fête à Noël, mon patron m'a dit, va chez le responsable de Congo Futur et qu'il donne aux gens les histoires de fin d'année. Je vais chez le monsieur, j'arrive dans son bureau. C'est monsieur, c'est un musulman. Mais, Nainamoun a été dans le bureau. Et les chrétiens, et les musulmans, et les païens, et les athées, et les responsables des ministres, et les responsables des policiers, et les responsables des militaires, Il y a opé, ça peut être la fin d'année. Mais les amis, ce n'est pas leur rôle. Regardez, ils donnent. Et la Bible dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Comme quand moi, pour un musulman, le loba komi et belé, nambon et belé. Mais ils donnent. Toi, tu es chrétien, c'est ton boulot. Mais est-ce que tu donnes suffisamment? Tu donnes aux autres suffisamment? Ou tu gardes le meilleur pour toi? J'ai pris les histoires et j'ai donné aux travailleurs. Bref, les amis, Toyeba Kobondela. Les lobes apparaissent, Belé, Bautin, d'abord un étranger. C'est bien. Mais quand tu regardes la télé,
tu vois aussi comment bah tenter ils ont ça dans le bambou en haut. Donc ça peut toucher ton fils, ça peut toucher ta fille. En Afrique du Sud, au moins des bazo bêta. Bah tu nous sommes dans le bambou étranger, bah Sud-Africain, bah bito l'imbibino, bah liambo on a vu sombi. Ta fille est là, ton fils est là, un parent est là. Ça peut prendre ton fils. Mais est-ce que tu pries pour ça? Observation intercession. Tolongola, le moi qui est en nous, Bungai et Lungwa, Totala, Moningaza Bemben. Et cependant, lorsque c'est arrivé, Jésus répond à sa mère, femme, heure n'a ne qu'on quitte. Yako Sala, quelque chose. Attitude très formidable. Attendre l'heure du Seigneur. Lorsque tu demandes quelque chose, lorsque tu intercèdes pour quelque chose, ne pense pas que la chose peut et qu'il y a malamo konenga yo sengeli. Pas forcément. Il faut te bakoser là heure yanzambe. Est-ce qu'on peut se préparer pour lire Ésaïe 55 8 à 9 et Ben s'il te plaît, Ésaïe 55 8 à 9. Heure yanzambe nezali motuya. Généralement, lorsque vous allez causer la batouba linga causer la heure, il y a deux personnes dans la vie, frère X na frère Y ou maman X na maman Y. Maman moko azomona bana maman mususu wana bazo kende liboso ya zomona bana ye stabilité peut-être ou régression. Mais où y a une église? Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de la R, tu commences à aider Nzambe. Ah, Nzambe. Tu vas dans le pain, on manque. Tu vas dans l'église, on manque. Et pour aller à l'église, pour aller à l'église, tu veux aider Dieu. Tu peux lire, s'il te plaît, Ben. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vous, au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Merci. Ma canisian zambé za motote. Zambé a likolo, ya likolo, ya likolo. Quand nous prenons les avions, tout le monde a un likolo ma patangout. Mais son mati awa, ma patangout se za likolo. Au côté sous ma patangout likolo, moussou su e likolo. Au côté li sous, moussou su e likolo. Obimi na terre. Okomi na univers. Moussou sali kolo. On parle de voies lactées, on parle de galaxies. Donc, Nzambe, yenda kela mokil. Ayebi, bien eloko nini, esengeli na bomo inayope na ngonga, nini. Kouede ete. Nzambe, la moni siko, krize komi makasi. Alors, papa ou mta sollicite nga, inanda koutolia rabiente, pa mama koma veuve, tozan mne en salate. Alors, tu es chrétien, mais tu commences à sortir avec un marié. Et vice versa, tu sors avec une mariée. Olumu edenzam, bana batan. Non. Nzambe baye dakaite. Et n'attente. Pendant que tu as causé là, ngonga nzambe, ezali na biloko batitude, quatre autres qu'on retenir na texte de ouille. Yaliboso, obéissance. Je vais aller vite parce que je n'ai pas assez de temps. Obéissance. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Moukonzi manko au sol. Baibisye, peuple haut, pas ensemble. On dit peuple haut, ba malécite. Ba bloka kinzela, tant ou ba nanga ba longwe Egypte. Pour pas kota wapi, na terre promise. Ils ont bloqué la route pour que ba nanga koutate. Alors, voué bangonion son interdit boma ezala nyama ezala mutu ezala za nenge ya muke akonda ya mune ezala mbongo boboma. Il a fait la même chose, le monsieur abomi, mais ce qu'il a oublié ou n'a pas fait, il n'a pas respecté Dieu. Abombi banyama o bazale ki aminene a épargné pe roi ya malicite. Nzambe abisier atini mosali nae papa.
Faire la volonté. Obéissance, c'est-à-dire tu fais la volonté de ce que Dieu demande. À part l'obéissance, il y a un autre point, c'est la sanctification. Je parle de la sanctification parce que la Bible nous dit, il y avait là six jars réservés à la purification. À l'époque, c'est toujours comme ça, ces juifs, avant de manger, ils se nettoient parce que l'arme a beaucoup. Et puis, il y a un récipient, il y a un utilisateur, parce que l'arme a maï. Oui, ou t'en as pas jarouan. C'est pour purifier, pour se sanctifier. Tu es obéissant, c'est bien, mais est-ce que ta vie, tu vis la sanctification? Ou tu es dans les choses, tu es à l'église, juste comme les pharisiens, Azuma, Yasukol ne longi, Yasukoli maboko, tout ça, la cotine a fait. Mais moté manaye, Zali Mabe. Un chrétien de dimanche. On sait te voir bien, tu pries, tu loues, tu parles en langue, tu chantes, tu es à l'intercession. Mais c'est l'aspect externe. Est-ce que l'aspect interne, tu vis la sanctification tout le jour? Certes, nous avons la chair, on peut tomber. Mais lorsqu'on tombe, on demande pardon à Dieu. Et on demande à Dieu, c'est ça l'excellence. La sanctification. Il y a les exemples de sanctification. 1 Pierre 1:22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pour atteindre cette bénédiction ou voir Dieu agir. Pendant l'attente, il y a l'obéissance. Il y a la sanctification, il y a l'humilité. Est-ce que tu es humble? Quand les choses tardent à venir, est-ce que tu es humble devant Dieu? Est-ce que tu es humble dans la famille? Papa, maman, lorsqu'il y a des problèmes de famille, est-ce que papa, tu arrives à demander pardon? Quand les enfants ont vu qu'il y avait un problème, et on a dit aux parents, ne faites pas ça. Ma parent bossali. Mais après un temps, est-ce que les parents, vous avez suffisamment le temps de vous humilier et de dire pardon aux enfants? Mari et époux, lorsque ta femme te dit, projet Oyo, namoni, ils aient bien tes papa bossali en haute. Mais papa bossali en haut, sans que maman ait bas. Et après des temps, et s'imiter. Est-ce que papa, tu as le temps de dire pardon à maman? Moi, je profite aujourd'hui pour demander pardon à mon épouse. Parce qu'il y a des projets, il y a des choses où nous avons... Je m'étais lancé dessus. Elle avait dit, non, je pense que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas bon. Et je me suis entêté, je l'ai fait. Mais si m'batté. Et dans ce moment, je me suis dit, bon, au moins, tout ça, là, qui a meka qui... Courage à Mobali, hein. Mais la meka qui... Mais bon. Et si m'batté. Non, Dieu nous parle. Au couple, hein, la Bible nous dit de nous accorder. Quand nous nous accordons sur quelque chose, Dieu fait la chose. Mais lorsque toi tu demandes, maman, tu demandes, non, on a ligné Pajero, il y a rouge. Papa l'obité, on a ligné Infinity, il y a noir. Accord, il y a place. Dieu fait comment? Mais quand papa tu dis, oui, on a ligné Ndak ou on a Montfleury, et ça, on a deux niveaux. Maman l'obit, ok, on appelle la ligne à Montfleury, deux niveaux, mais ceux qui n'ont pas côté, il va porter fou. Ils sont en accord, n'est-ce pas? Mais maman, c'est les finesses. Accord. Humilité. L'exemple formidable de l'humilité, c'est Jésus. C'est formidable. Vous pouvez lire à la maison Philippiens 2, 5 à 9. Jésus, écoutez, il était au commencement. Lui qui est dans la divinité. Mais il a quitté
la divinité pour devenir humain. Philippiens 2, 5 à 9. L'exemple parfait de l'humilité, Jésus-Christ. Il a quitté la divinité pour être humain. Mais il ne s'est pas arrêté où on a. Tant qu'il a commis humain, et ça pour que il soit humain, a commis ça y est divin. Donc, il y a une Bible. Non, mais le besoin de la Bible, soit en pratique. Oh, c'est formidable. À tout ce qu'ils ont reçu, à tout ce qui croit en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et sa récitation, t'es le corbeau et le renard dans la classe. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ni, non. Donc, yo, yamba yesu, makila na wane kumo makila au fait, yesu spirituellement. Yango ba, lien de famille, nyon se batou, balouba pour la famille, nan aye, et si mal en ou sauté. Balouba nan ke nan koufa, metilo nan sa vivant. Natikala yana une année, je ne cesse de dire ça. Parce que le sang de Jésus-Christ circule en moi. Si vous avez un lien avec Makila, vous avez un bar, vous avez un lien avec Makila. Si vous avez un lien avec Makila, vous avez un lien avec Makila. Mais vous avez un bouc. Vous avez une gorge qui est bloquée. Au nom de Jésus. Le secret de l'humilité. L'humilité te dépouille du moi. L'humilité est que vous avez un pour nous sommes tombés là, il faut longwa. Il soit ami qui dit ça, qui va boire quel est il va bêtir bambata. Il y a une tambe, la tissue va épine. Il n'y a pas de confi. Dans quoi c'est qui? Combo n'y a pas. Et ça n'a l'eau là, 4 êtres vieux, parce que ceux qui va 24, 24, parce que 24 êtres vieillards, 4 êtres vivants, parmi tous ceux qui 4, combien? Mais bango nyonso ezala likolo même na se balobi satana na ba angelou nae na ba tout nyonso tangu bazali ko bimisa yesu kola amnyo imole na makila balobi mingongo nyonso ezotatola ete ye azali mokonzi atombo mi likolo na nyonso. C'est l'humilité. Ozala musala ou former mutu auti soki wapi ba oyum to former. Mais deux mois après, bah, tu es chef. Je me fous 10 fois que les gars. Je vais passer une voiture. Je vais te former. Yo salaire 200 dollars. Je vais te former. Je vais te former. Je vais te former. Je vais te former. Le dernier point, pour voir ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est la foi. Condiment. La foi. J'ai vu beaucoup de frères en entrant avec un peu perplexe. Bon, après ça, bango ba graine moko na porte. Mais j'ai vu papa Charles Diarakou. Il était un peu. J'ai vu mon papa Mawakani. C'est quoi encore ça à l'église? On nous donne des histoires. C'est compliqué, hein? Et l'église ne devient pas comme les sectes. Alors, on donne des graines. Non, c'est pas ça. C'est un exemple de foi que nous voulons donner. Je suis moniteur à l'école de dimanche et j'aime beaucoup accrocher. Au fait, c'est la graine dont Jésus a fait allusion. La graine, le grain de moutarde. Grain de sénévé. Jésus a dit, si ta foi est en moko, na mbuma oyo, ou l'obananzete oyo, longwa, qui nous boit comme un amai, peut ça la nini. Bon, t'as la suko crée dans mon ngizali. Yo mota, ezomota, je n'arrive pas à voir. T'as la graine dans mon, c'est tombé, voilà. Vous avez vu la graine? Bon, ce qu'on met tout na yo moko en toi, et pour tout ni voisin, est-ce que ça a la foi? Tout na yo moko, on met tout ni voisin, est-ce que ma foi est ali? T'as la graine, fille graine. C'était un problème et comme il a abissé. Mais ceux qui ont dit, nous sommes à la salle, nous sommes à la salle, la foi. Dans Hébreu 1, 11, pardon, 1, on nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je m'attarde un exemple à Yesu. Alobi, ce qui est allé la graine oyo, ce que l'obi naé, nanzete, l'ongwawana, Hébreu 11:1, et bouakama, namai et kosalem. En réalité, les formules tout en la classe, il y a la physique, je comprends que vous n'êtes pas ensemble. Et ça, va tout ensemble, mais n'a pas ça. Ce que vous comprenez, comme certains sont là, vous comprenez, vous défendez ça. Mais ça, il y a biso. La foi, quand je partageais ça, j'entendais, on me disait, c'est une force qui opère dans l'invisible. La foi. F comme force, O qui opère dans l'invisible. Mais la classe, autant la force égale à quoi? Force égale à une masse multipliée par un déplacement. Mais Yesu alobi yango. Sozana kondima, force, kondima, force. Pour que nzete wana. Masse, nzete. Déplaçant au déplaçant au. On peut au poids qui yango. Problème inosana. Car loyer. Loin, c'est un petit problème. Un petit problème devant Dieu. L'hôpital, non. Ça, c'est un petit problème. Jésus a guéri les gens. Moussa, là, exacté. Ouf. Nenep, ça m'a lelo. Please, pardon. Lobby lundi. Oza Moussa, là, la mouka 5 heures. Au bon délit. Au méditer. Bima l'andag. 6 heures bima déjà. Soit attitude à Mouta que Moussa là. Quand on a raté au fin d'un dame, on la dame, on la lipa, y a coco. Non, réveille-toi. Prie. Bima. Bon, ok. Nage Moussa là. Bima, kende. Bima, kende. C'est dans l'invisible que Dieu opère. C'est pas dans les choses naturelles. C'est dans l'invisible. Tu as besoin d'un enfant? Osa la moine à thé? Facile. Petit problème. Sombalette. Les lotons au bima bobo sombalette. Bobongi si, tolinga moi son balé bleu ou bien rose. Bo saliango, badra, bo sombele de jambe, tonae, bo yembe la kae, bo tche maboko. As Dieu a fait venir à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Il est temps que les chrétiens démontrent les choses. Dieu, dans cette année, est en train de déverser des grâces à l'église. Il est en train de bénir les gens, non pas matériellement seulement, mais spirituellement. Les gens doivent venir. Bisototik en église, à tout moment. Dieu est ici dans cette église, mais tu ne le vois pas. Dieu agit. Wake up. Que les écailles tombent. Bon, moi, je suis en Bazali, je pasteur Noma, Bazali, je suis papa Makani, Bazali, je suis maman, je suis papa Pona, Bazali. Du reste, si je lis cette parole, je médite et je peux parler, ce n'est pas moi, c'est grâce à cet homme. Je respecte beaucoup papa Pona, la Ligue pour l'étude de la Bible. Ce message, on m'a dit ça le 5, au retour à le 10. Je me dis, Seigneur, non, t'es à le 10, vous êtes à le 5, non, t'es à le 10. Mate Routia. Pendant que je partageais, je méditais ou tiens, comment on dit, lecteur de la Bible. Je me suis offert à une madame, pas à maman Panza. Elle est là, maman Panza. Au côté de maman Panza. Elle vend ça. Elle ne vend pas. Vous pouvez, hein, 3000 francs, n'est-ce pas maman? 3000 francs? 3000 francs, merci maman. Pour les enfants, s'il y en a, 500 francs. 2500. Un extrait yamate ya oyo et outi ao ne permettra pas de développer nion sol. Ta parole est une lampe à mes pieds. Mes amis, lorsque la foi nabiso est en mouvement, comme ce frère qui était ici, les yeux bien ouverts, éclairés par la lampe, ngana sala kikuna, nazo bouger, nazo landangai. Mes amis, elengezarani pa nzambe, au singe loko. C'est bien. Mais un peu sur le loco, c'est un point A. Mais à mon avis, ceux qui ont su en haut, c'est mon goût n'a pas un sima A. Mon zo zo en haut, tant que zo pas l'ouvrage à boire, kuluna botolian. Alors, à petit moi, c'est à qui mi ba kuluna. Comme toi, si tu es éclairé par la parole, tu fais le tour. Et tant que mon ba kuluna basse, t'as un nini, à peu sur bénédiction na yo. Na pète nyonso.
cantique, il y a Anne. Anne a dit que Dieu place les colonnes tiennent la terre. Les colonnes. Nous sommes mettant à paix sa bénédiction. À Tchaba, colonne. Nous sommes mis à Anne à l'église. Vous pouvez couéater. En soutenir. Foi et votre nan zambe a kokisa ou ya loba na bon moi na yo. Batouana ba serviteur ba yeba ki yesoute. Mais bazala ki obéissant à tout ce que y sotela ki yatsinga ki bon. Humilié parmi les autres serviteurs. Vous imaginez à l'époque, c'est pas comme chez nous, un maï au fumoli robinet, maï ebimi. Ba ki na fête. Mais à un moment, j'étais censé de quitter ba ki eto kabamaï. On nous dit il y avait six jars. Et ces jars pouvaient contenir 100 ou 120 litres dans ma version. Alors regardez le travail qu'ils ont fait. Pourri, bah, toki. Et pourri, bah, eli soussou. Pour reverser la bajarwa. Bah, pour là qui sûrement. T'as la bana fête. Tout le monde a un autre cancer à la fête. Bah, fête. Bah, au bateau ming, bah, ça, la protocole. Et moi, on a l'embi, bah, vandi. C'était dur. Du reste, bah, d'abord, au tia, puis on y a eu yesou. N'a y'a un soussou, bah, y'a eu. Puis on a bandi ministère, t'es. Mais ils ont accepté de faire cela. Et Jésus a dit, bango, boto ki mai. Oui, toto ki mai. Ok. Alors, siko bo salani. Besoin. Papa Steve, est-ce qu'il y a moyen de nous aider? Il y a une version que j'aime ici. Il y a moyen de nous aider à lire, s'il vous plaît. Mais c'est en anglais, please. Vous pouvez lire en anglais et traduire. Hein? Pour ma version, je suis sur la monnaie en côté. Jean 2, à partir, il y a... Septième verset. Papa Steve, vous pouvez venir s'il vous plaît? Vous avez la version anglaise? Non, je préfère ma version anglaise. Jesus said to the servants, fill these jars with water. They fill them to the rim, to the brim. And then he told them, now draw some water out and take it to the men in charge of the feast. They took him to the, they took him the water, which now had turned into water, into wine, which now had turned into wine. Now draw water out and take it to the man in charge of the feast. They took him the water, which now had turned into wine. Okay. Okay. Jésus leur dit de prendre cette eau. D'abord, il leur a demandé de remplir les jarres jusqu'au bout, pour être plus correct, les remplir à fond. Et il leur a demandé d'apporter cela à celui qui était en charge de la fête ou à l'ordonnateur de la fête. Et ils ont apporté cette eau à l'ordonnateur de la fête, mais cette eau qui avait changé, cette eau a changé en vin. L'eau a changé en vin. Merci, Daddy. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, merci, Daddy. Pourquoi j'ai demandé cette version? En réalité, quand ils ont rempli ce que j'ai compris dans la chose, quand ils ont rempli les jars, Jésus n'a pas transformé l'eau qui était dans les jars.
Parce que les jarres, on l'a dit, ça sert à la purification, l'eau qui est à l'intérieur. À tout moment, quelqu'un peut sortir de la fête et quand il va vouloir rentrer, il doit se laver les mains. Na fête, ça n'est comme que sili, mais pas bien balia. On commence à aller au souko là, ça n'est mouri, oh balia là qui, n'est-ce pas? L'eau qui était dans les jarres, et ça là qui maille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tant on va zui maille, la foi. Tant on va zui maille. Tant on a commis qu'au tambo là, pour qu'il n'est pas organisateur, il y a fête. Dans Zéla, on a des mains, ils ont ma vin. Zéla, Zéla, mains, ils ont ma vin. Zéla, Zéla, mains, ils ont ma vin. Zéla, Zéla, mains, ils ont ma vin. La foi, c'est ce déplacement. C'est lorsque tu dis à tout moment, Seigneur, attends, mon yangote, yango ezo salama, nabo moinanga, ezo kokisama, bananga iba koke liboso, banaba voici nanga bako pambolama, mboka kongo oyo eko pambolama, église nangai, frakim, sala de vie, japoto kangati koto, mezanine, batuba komati likolo, troisième niveau, so moyen sali, quatrième niveau, l'église nabiso, ça c'est la foi. Et Dieu a coquille si miracle. Tant que mouton a mis qu'elle obéit. Oh! Mais papa, papa, ça n'a nous, il y a ma lame. Après, dans ce que il y a ma bé. Dans les fêtes, si on le voit, on commence par des champagnes, et bien, dans ce bon, il y a comme un manianga, et comme entre guillemets, bah, whisky, bah, zododo, parce que. Et quand vous sortez là le matin, le 31, quand nous sommes rentrés, j'ai vu des gens qui rigolent, bah lali, pongi. Parce que Nasuka va appeler Saraya, Yamabe. Mais non, les méthodes de ce monde ne sont pas les méthodes de notre Dieu. Notre Dieu accorde plus de crédit à la fin, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si tu ne vois pas, sache qu'à la fin de la chose, Dieu va te justifier. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Ceux qui gagnent n'abandonnent pas. Je vais finir par ici. Jésus fait au-delà de ce que nous demandons. Maman avait demandé juste le vin. Mais Jésus a donné le bon, le meilleur vin. Meilleur vin. Ils sont habitués à aller dans d'autres histoires. Vous avez, il y a des gens, quand ils font comme ça, ils savent te dire, il prend le vin, il fait seulement comme ça, il fait passer, il te dit, ce vin date de 1973. Et on a pris ça en France, dans tel vignoble. Le fait de sentir. Jésus, quand a su en haut, a l'obé, ça c'est le bon vin. Est-ce que quelqu'un a la calculatrice, ça, s'il vous plaît? On va faire le calcul pour voir comment est-ce que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons. Calculatrice, frère Isaac, papa Adolphe, dans un téléphone, il y a calculatrice. Téléphone simple. Téléphone. Nous allons essayer de calculer. Il y avait 600 jars. Et chacun, il y a un peu qui a à peu près 100 litres. OK? Alors, on va essayer de quantifier valeur. Il y a bon vin, Oyo, Yesu, à Pesaki et Painabato. Vous allez voir que Dieu fait au-delà de ce que nous lui demandons. Alors, c'était 600 litres, ok? Mais avec les gens qui allaient pour laver, on peut prendre seulement 400 litres, ok? Qui étaient transformés en vin, d'accord? Alors, nous avons 400 litres. Généralement, aujourd'hui, bouteille à vin, ils en ont un format, il y a 75 centilitres. On est d'accord? 75 centilitres. Nous avons 600. Renan, tu as besoin de ma calculatrice? Ok. Tu peux te mettre debout, s'il te plaît. C'est important. Alors, prenons 400 litres. Oui. Ok. Transforme ça en centilitres. Ça veut dire tu multiplies par 100. Ça te fait 40 000 centilitres. La bouteille, c'est 75. Divise par 75. Ça te fait combien de bouteilles? 533 bouteilles. 533 bouteilles. Le vin le plus cher, le plus bon au monde aujourd'hui,
se négocie entre pour voir comment Dieu est formidable. Entre 13 580 dollars à 56 403 dollars. Ce n'est pas les vins que vous voyez chez Bébé Milan, hein. Ça n'a rien à voir. C'est un Bourgogne de France. Alors, on va prendre vraiment te minimiser. Alors, multiplie ce nombre de bouteilles par 13 580 et dis-nous la valeur. S'il te plaît. $7,242,666. 7 200 000 dollars. Donc, ce qui est à l'élo, Yesu a l'ingakiapé sa paille à bateau une valeur rien qu'en boisson de 7 200 000 dollars. Vous imaginez? N'assistant à un mariage, il y a un mariage, il y a un mariage. Mais budget, il y a $300,000 dans les commentaires dans ma sang. Les amis, arrêtons de dire que les millions, c'est pour les occultistes. C'est pour nous, les millions. Dieu fait au-delà de ce que les gens peuvent faire, peuvent dire, peuvent penser. Voilà pourquoi il est temps que dans cette église, Dieu donne, suscite les projets dans les têtes des papas, des mamans, de jeunes, pour que dans ces temples qu'on ait des millionnaires qui ne vont pas utiliser ces millions pour eux, mais qui vont utiliser les millions pour l'église, pour aller prêcher, pour aller évangéliser, pour que les âmes viennent à Jésus. Que Dieu soit loué pour sa parole. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier pour na oyo ye asali. Élévation nangaye ezamana yo bitumbe komela kinga na fungola miso na monampinga ya bangelou babunde langaye balongi sangaye na zua kimiaye na tombola moto na abandona teo oyozalaki nangaye jusqu'ici. Tu es ma belle force. Jusqu'ici. Tu es. Ozali capable. Yako sala na moto. Oh oh oh. Akambwe kokana te. Afrika e ya uta. Eh eh eh. Ozali capable. Yako sala na moto. Oh oh oh. Akambwe kokana te. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophonecbco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter.
écouter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.